Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dome Keeper. On continue notre petite aventure, on est toujours en grande difficile avec le Dome Épée à expérimenter, et je pense que je commence à avoir le coup de main. Et salut Nardinus, bienvenue sur le live, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir ici. Pas de Warhammer en live, malheureusement. Jamais essayé encore vraiment du Warhammer sérieux en live, je pense que ça doit être tendu. Ah, on va te combiner, parfait. Pour aller déposer ça à notre copain. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un dans le live, qui dans le chat, qui sait du coup si on met à l'arbre plusieurs ressources, il fait plusieurs fruits, ou il ne fait toujours qu'un seul fruit de celui qu'il a le plus, un truc du genre. Hop là. Ouais, allez, on fonce. Bah, tu es le bienvenu, Nardinus. C'est avec plaisir. Et puis, on n'est pas obligé de participer dans le chat ou autre, hein. Tu peux tout à fait lurker, y'a aucun problème. Merde, je l'ai ramené trop tôt. Vous serez gentil de crever. Voilà. Allez. Donc genre là, si Satanas, si jamais il y avait eu de l'eau et des pépites, il donnerait de l'eau et des pépites du coup. C'est sympa. Allez, un dernier petit coup. Ah non, merde, trop près. On le découpe maintenant. Laisse mon dôme, saloperie. Oh là là, on galère. Oh putain, j'arrive pas à le tuer. Ah si, ça y est. Alors on va regarder si on n'a pas quelques trucs. Ouais, on a 21 là. Alors pour 21, on peut peut-être déjà améliorer un peu notre bouclier. Comme ça, ça sera rechargé pour le prochain coup. Et il nous faudrait de l'eau pour l'améliorer encore. On pourrait prendre ça. Ça, ce serait cool ça. Ça, ce serait cool. Non, ça sent pas la merde. Tu vois, il nous reste encore 3 cobalt en bas à gauche, là. Le petit triangle, là. Et on peut se soigner avec un cobalt. Donc, ça va. On n'est pas encore mort. On a encore un petit peu de répondant. On va ramasser ça et le filet à téléporter. Oh, ouais, il y en a encore plein. On va aller chercher notre récolte. Et bah bisous aux petits Moïsis, merci beaucoup d'être passé. Et à bientôt. Hop, toc toc toc. C'est parti. Hop là. Oh, c'est une belle veine ici. Ça fait plaisir. 6, on peut en transporter 6. S'il envoie des gros à chaque rune, dans 5 runes on est quasi mort. Ça dépend. Ça dépend si on a pu prendre des améliorations, ce qu'il y a autour aussi. Parce que là du coup on a amélioré notre bouclier, donc on est quand même, on encaisse quand même beaucoup mieux. Si je peux améliorer l'épée aussi, c'est possible que les gros en un ou deux coups, je sois capable de les tuer. Ce qui changera un petit peu la donne. Si je papote trop et que j'oublie de remonter, ça peut aussi jouer sur le fait qu'on va pas tenir 5 tours mais 1. Là typiquement on a 27, donc pour 27, on peut améliorer notre foreuse, mais... est-ce qu'on pourrait faire mieux? On peut améliorer notre longue lame pour qu'elle soit plus efficace, encore plus rapide, qu'elle rebondisse et qu'elle fasse plus de dégâts. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On n'a toujours pas assez d'eau pour ça, donc on va prendre l'épée. Oh oui, elle est... ah oui, effectivement, elle a l'air un peu plus vénère. Se calme. Par contre, plus elle est grande, plus le coup d'esto il est long à charger.
Et là, on va pouvoir prendre ça avant de redescendre. Alors, toi t'as fini, viens avec moi. On va te laisser là, on va aller chercher notre récolte. Ok, voilà, ça sert à rien de creuser ici. Hop, et on continue de fouiller. Avec, même avec notre foreuse améliorée, c'est compliqué. Ah parfait. Alors on va aller chercher le téléporteur directement plutôt qu'amener les ressources. Allez viens. On a du travail pour toi. Hop. Allez, on se tient vite fait. Hop là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a remonté? On a 11. Il faudrait 14 pour le niveau de vie suivant. On pourrait prendre la charge. On pourrait améliorer ça. Améliore la puissance des coups d'esto et permet de mieux guider la lame. Ah, si on peut peut-être faire des virages un peu plus serrés, on aura peut-être un peu moins de galère à fisser les ennemis. On pourrait aussi améliorer ça. Non, il nous faut de l'eau. Pour tout le reste, il nous faut de l'eau. Donc ça sert à rien. Donc je pense qu'on va prendre ça. Prochain niveau, on aura la bombe. Ah, on est capable de one-shot ceux-là, ça, ça fait plaisir. Oh, oui! Ouais, c'est stock, je sais, ouais. Des fois, je le lis. En plus, ils le mettent dans le jeu, ils l'écrivent QE, pour le pluriel. Mais des fois, j'ai des vieux restes de... Tu sais, quand tu l'as prononcé mal une fois et que t'as après le prononcé mal, c'est difficile de changer. Ok, donc là il n'y a rien. Du coup, tant qu'à faire. Ah, mais t'es sérieux toi? Viens là. On va se recentrer. Parce que c'est important d'être centré. Hop. Ah, un petit peu d'eau. On va le laisser là pour qu'il travaille un peu. On a raté pas mal de minage au-dessus. Hein. Ah bah parfait, l'occasion de remonter. T'es trop loin du petit bout de fer. Hein. Oh là là, pauvre petit téléporteur. Non, pousse-toi. Voilà. Allez, on remonte. Est-ce que j'ai le temps de passer chercher ça? En même temps, c'est un petit peu la merde mon chemin là. C'est où le passage? Où est-ce qu'on va? Alors, comment ça se passe? Il y en a un qui est en train de s'énerver à gauche, et il y en a un qui est en train de s'énerver à droite. J'adore cette arme quoi, c'est complètement loufoque. Lui on le tue, lui on le tue, lui on peut le tuer ou quoi? On peut le toucher déjà, c'est pas mal.
Bim. Ok, il nous reste plus que celui-là. Allez, toi tu viens, continue de fouiller. Un petit peu de cobalt, enfin, toujours un petit peu de vie. Viens avec moi. J'allais chercher l'arbre. Il a dû faire des fruits. Et mine de rien, il va commencer à être loin. Il y en a un à ramasser. Voilà, hop, on le reprend. Échec. Je lui dépose sans qu'il y ait de rebond. Voilà. Ok, alors avec tout ce qu'on a ramené. Qu'est-ce qu'on peut faire? On en a 12. 12, on pourrait améliorer notre vitesse. Ce serait pas mal. 14 pour ça. Ah, on pourrait améliorer la vitesse. Alors, on peut peut-être améliorer la vitesse de ça. Oui, on peut améliorer la vitesse de ça. Ça, c'est parfait. Là, on va les défoncer. Alors, on va attendre un peu. Voilà, blablabla. C'est le convertisseur, il travaille. On va prendre un soin. Et on est au fight. Non mais oh, tu rigoles ou quoi? Ah, ils sont trop loin. Voilà. Bon bah ça s'est bien passé. C'est là, travailler un peu, puis on va essayer d'aller fouiller un peu. On a tout fini là? Ouais, on a quand même plutôt bien tout fini. Hein. Allez, viens. Allez, je suis pas le con. Du coup, Nardinus, si tu te tâtes sur ce genre de jeu, t'es plus sur du roguelike que un Minecraft ou un jeu de minage classique, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'il y a beaucoup de gameplay différents. Selon les armes que tu prends, selon les gadgets, le dôme, même les objets que tu trouves pendant la mission. Donc c'est assez intéressant. Toi, tu vas là. Et nous, on remonte. Il est grand temps. Selon les améliorations que tu décides de prendre aussi, parce que c'est pas... Comme d'hab, t'en as qui sont considérés plus ou moins optimales, mais t'es pas obligé de te les prendre en vrai. Tu peux te mettre des challenges ou... C'est dommage ça, on n'est pas capable de les tuer quand même. Bim. 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 Bim.
il reste costaud celui-là quand même, hein. Ok, il n'a même pas réussi à percer le bouclier. Parfait. On est reparti. On reprend lui. Et on fouille. Je pense qu'on doit commencer à s'approcher un peu des... de la fin là, parce que ça fait quand même un moment qu'on fouille. Ah, parfait. Alors ça c'est pas la relique parce qu'il y en a deux côte à côte. Ou alors c'est la relique mais on s'est vraiment raté. Non, c'est bien l'objet. Donc on monte ça du coup. On va avoir un petit objet bonus, probablement le monde charge. Qu'on va prendre parce que le cobalt c'est vraiment pas une priorité. Alors, et on prend le monde charge. Est-ce qu'on peut prendre direct son amélioration pour aller plus vite? Oui, c'est pas très cher. Alors, du coup. Ouais, pas optimal. On va passer chercher l'arbre. Il doit être dans le coin qui est là. Hop, allez, faut se recentrer, faut choper lui. On va laisser ça là. Et on grimpe. Alors, l'attaque a commencé, mais pour l'instant il se passe rien. On a rien de très intéressant à faire. Ok, eux on va les gérer assez facilement avec ça. Allez, recharge-toi. Voilà. L'autre il se pose, on le tape. Et il est mort. On peut se permettre un petit soin. Et on est reparti. Allez, on fouille. J'ai l'impression que notre ascenseur descend pas jusqu'ici, ce qui n'est pas bien. Enfin, regarde ce qui lui arrive. Ça commence à être dur. Oui, ça commence à être sacrément dur même. Cette petite caillasse. Allez, 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 allez. Wouah la vache! Chaud! Toi tu viens. On va te déposer au fond. Purée! Allez, on monte. On passe chercher l'arbre. Hop. On va laisser celui-là les monter. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau? On a 19. On peut améliorer notre force. On peut faire un estoc explosif. Pourquoi pas? On peut agrandir encore notre garde. Ça c'est pas mal.
Ah, on peut aussi améliorer notre bouclier. On va améliorer le bouclier. Je crois qu'on en a pas mal qui est en train de venir là, qui est dans le téléporteur. Oh là là, putain, deux fois. Je suis pas bon. Allez, recharge-toi. C'est pas mal. Donc toi tu travailles toujours, très bien. On va continuer du coup de chercher d'autres trucs à te donner à manger. Un petit peu de cobalt, ça veut dire un petit peu de vie, c'est pas plus mal. Il y en a deux, ça vaut le coup. Ah, ça c'est un mur invincible. On reste dans la zone du téléporteur pour l'instant, hein. Non, ça devient trop dur là. Reviens là, toi. On va aller fouiller de l'autre côté. Faut que je trouve aussi pourquoi il descend pas jusque là, mon truc. Ah, il est arrêté là. Ok. On va le faire descendre, ça c'est important. Alors c'est au niveau de cet objet là qu'il y a l'arbre, oui, exactement. Hop. Alors, on a 19. Alors, du coup, on va prendre ça. Petit coup d'eau. J'ai le poignet qui commence à galérer avec les touches. Ouais, ça vaut pas le coup. Mort toi, t'es sérieux? Ok, on a réussi à en tuer un juste avant qu'il tape, par contre l'autre on l'a pas du tout entamé. Oh bah nickel. Le petit laser le petit laser paralysant, il fait quand même bien son taf. Hein. Il ralentit tellement les ennemis. Allez, on continue. Tiens, au-dessus, on n'a pas terminé. On va y aller. Ah bah parfait. Hop, toi tu vas pouvoir travailler un peu comme ça. Non, on voit tellement la différence, juste après qu'on ait pris l'amélioration de la drill, on défonce les trucs, puis d'un coup on n'arrive plus à les défoncer, on est... Ah non mince, zut. Rien d'autre. On se décale d'une case.
peu de cobalt. On va lui laisser au passage. Alors normalement si on va vers le milieu, voilà, on est censé tomber sur lui, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, premier objet. Raté, tant pis, j'ai raté l'arbre. J'ai pas vu le deuxième objet. Est-ce qu'on peut pas améliorer un peu la vitesse? Encore. Si. Non, on n'a pas assez d'eau, dommage. Est-ce que ça c'est quoi? Durée de téléportation, bof. Ça on a déjà pris. Avec un seul dos, on peut pas faire de miracle. On peut prendre la garde améliorée. On va la prendre. Il y a moins que ça soit utile quand même quand on a des gros rushs de projectiles. Ah ouais, là on commence à avoir une belle épée là. Waouh, on se calme là. Mine de rien d'allier le fait de taper, renvoyer les projectiles. Faut bien réussir à tout caler. Alors là du coup si on veut fouiller c'est par ici. On va revenir vers le laser. Attends, ça y est, elle est déjà devenue trop dure la roche. Vers le laser, vers le téléporteur, excusez-moi, c'est absolument pas un laser. Hop, ça on ramène avec nous. Ça. Ça fait plaisir. Alors il va falloir qu'on creuse une case de plus et qu'on te fasse descendre un peu. Alors peut-être pas 10 000 non plus. Elle est trop fragile la roche là du coup. Dès que je l'effleure elle se casse. Allez, on monte. Un petit détour pour ramasser ça. On va être juste. Ça va le faire. Ok. Alors il y a deux gros tas qui arrivent. Est-ce qu'on a des améliorations intéressantes? On a 10, mais on a 3 dos. Donc pour 10 et 3 dos, on peut prendre pas ça. Ah non, il faut 4 dos pour ça, dommage. Remettre le téléporteur, non. On peut prendre la vitesse du petit laser, c'est très bien, ça fera le taf. Oh, tu bouges ? Ça se passe. Toi t'as terminé. Pour l'instant ça se passe bien. Franchement ça va. On va continuer de fouiller un peu. Il y a quand même un moment où on va finir par leur tomber dessus à ces foutus reliques là. Aïe aïe aïe.
peu de ressources, pas mal de ressources même. Beaucoup de ressources. Combien on peut emporter? Non. Pas assez. Ok, ça ça tient, on peut les pousser un peu en plus. Bon, ils vont tomber dans le trou, mais c'est pas grave, ils ont gagné un peu d'espace quand même. On va les laisser là, à la limite, ce qu'on va faire, puis on amènera le téléporteur directement. On va juste faire un trou d'un de plus. Hop. Ouais, parce que ça va être l'heure là. Merde. Ah. Poussez-vous de mon chemin. Ouais, on n'a pas le temps d'aller chercher l'arbre. Faut qu'on trace. On a 23 qui est remonté. On pourrait améliorer ça. À 30, on va pouvoir avoir le truc électrifié. Je suis curieux de voir. Mais on a normalement assez pour prendre ça cette fois. Voilà. Pardon, c'est ça qu'il faut faire. Ça s'est rechargé, on peut tuer lui. On a plus de charge de bouclier, donc il faut qu'on se défende contre celui-là. Voilà. Et on tue celui-ci. Non, vous êtes sérieux? Quand même. C'est presque plus difficile des fois avec la visée laser, parce que comme elle est en ligne droite, galère un peu. Allez, toi, on est parti. On a des trucs à te faire ramasser là. Allez, au travail. Et du coup, on va se mettre ici et on va retourner vers lui en passant par là. Rien du tout. Ah, là c'est un peu dur. Non, bah rien du tout visiblement. Donc on va lui laisser ça pour pas que ça se casse la figure et on va aller de l'autre côté. Bordel, mais où est cette relique? Terrible ça. Alors si vous voyez sur l'écran un câble de relique que j'aurais raté, n'hésitez pas hein, dans le chat à me dire. Non, y a pas moyen, faut qu'on revienne. On a un arbre à aller chercher, donc l'objet à droite c'est là. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on la rate, ce qui est quand même dommage. J'arrive, j'arrive, je suis là. Yes, on a remonté 32, on va pouvoir prendre l'épée électrique. Ça c'est bon, rien que le nom j'adore. Merde, qu'est-ce que je fais? Ok, ça c'était complètement raté. Je vous l'accorde. Merde. On a malheureusement paralyser le tireur. Ok, c'est géré. Est-ce que t'as terminé toi? Parfait. Viens avec moi, on va continuer de fouiller du coup. Très bien, le bord de map. On va se recentrer.
priori, j'ai pas oublié de gros blocs, hein, donc. C'est que c'est vraiment plus bas ou sur les côtés. Là, va falloir qu'on remonte un petit peu. Parce qu'on avait dû se décaler à cause du mur incassable. Ah, un petit peu de ressources, parfait. Hop, au travail. Ouf. Plein de ressources. Allez, faut se recentrer là. Reste pas coincé dans les coins, s'il te plaît. Ce serait sympathique de ta part. Alors, on fait un petit détour là. Alors, je sais, ça arrive, mais on est très près en vrai, hein, donc ça va. On a monté 11 avec 11, je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Si, on pourrait prendre ça. C'est quoi l'autre ? Les projectiles qu'on retourne sont explosifs. Ça c'est bon ça. J'aime ce concept. Voilà, là on en tue plusieurs. Ah, par contre il y a lui là qui va nous faire chier. Ok, touché, toi, touché. C'était pas optimal. J'accepte la critique. C'est tellement chaud en même temps. Dès qu'on se rate un tout petit peu, l'angle pour reviser, il est tellement chaud. Ok, on fait des allers-retours. Nickel. Je pense qu'un petit soin. Oh, on a tellement de cobalt, on peut même en prendre deux. Ok. Allez, on va la trouver cette foutue relique. Bon, lui il travaille, pas de soucis. Ok, c'est rentré. On va partir par là, c'est par là qu'il y a le téléporteur. Ah! Ah non, c'est un objet encore. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on a encore à prendre? Rien? Si? On a d'autres objets qu'on pourrait avoir? Voyons voir. C'est pour me donner du cobalt, bon bah c'est cool, mais... ça me sert pas des masses, quoi. Ouh, on est vachement ralenti quand on porte ça en plus. Ah ouais, bon bah. Du cobalt alors, hein, allons-y. Hein. Bon bah vu qu'on a un peu de temps, j'ai vite fait faire un tour, mais normalement c'est clean hein, au niveau du minage, là c'est clean. Là aussi, il y a peut-être un coin ici qu'on pourrait fouiller plus. Voilà, il n'y a rien. Non, c'est clean hein. Non, pas ça. Ne prends pas le téléporteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 21. On pourrait améliorer notre drill. On pourrait prendre les projectiles retour explosifs. On pourrait améliorer la vitesse de notre truc. Non, il n'en a que un dos, donc on fera rien de ce côté-là. On va prendre les projectiles retour explosifs. Alors, vraiment juste pour le plaisir. Quoi. Bim!
Boum. Oh merde. Voilà. Par contre, c'est vrai que l'intérêt par rapport au laser, c'est vraiment qu'il fait des dégâts de zone ce truc. Contrairement au laser qui peut tirer que sur la première cible et après bah il perd du temps à essayer de... On alterne les cibles quoi. Alors on peut redescendre et puis continuer du coup. Un petit peu de cobalt. On va laisser le téléporteur ramasser. On va continuer. Mais où est cette relique? Bon oui, sur une planète, il n'y a pas de relique en fait. Je vous vois. Ok. On repart dans l'autre sens, on récupère lui en passage. C'est ouf. Je vais finir par faire une grande ligne droite vers le fond en espérant tomber sur un truc en ligne droite. Un petit peu d'eau. Ok. Ouais, bon, faut qu'on remonte. Qu'on a l'arbre à passer chercher. Alors, l'objet, il est là. On fait demi-tour. Hop. Alors, on a 7. Du coup, je pense qu'il va falloir qu'on aille améliorer ça, parce que visiblement, on a encore de quoi bien creuser. C'est parti. Ça c'est fait déjà. D'autres saloperies là. Bon, tu vois, on a tenu 5 rounds finalement. Nardinus, c'est pas mal. C'est passé. Maintenant, il nous faudrait un petit peu de fer. Ah, bon, ok. On a trouvé le squelette, mais on l'a déjà. On va donc le laisser là, pendu. Pendu à son truc de squelette. Moi, il nous fera pas concurrence comme ça. Un peu d'eau, on va le laisser travailler. Ah, mais non! Vous n'avez qu'à venir avec moi tous les deux. Ah, voilà! Ça, c'est bien. Hop, toi, on te pose là. Toi aussi, d'ailleurs. Voilà, bon, c'est toujours pas la relique, mais au moins c'est de la ressource. C'est assez aléatoire, je dirais, la difficulté. Bon, là honnêtement, on a vraiment un setup qui marche très très bien.
Avec le laser, il y a des fois où j'ai eu un peu plus de stress. Et là surtout, on n'a pas du tout eu l'un des trucs que j'ai le plus de mal à gérer avec, avec l'épée. À savoir des espèces de petits monstres qui arrivent en masse à 50 et puis qui sautent sur le dôme. Et cela, j'ai vachement de mal à les gérer avec le laser. Et on n'en a pas du tout eu sur ce run. Donc c'est vraiment assez aléatoire. Sachant que... Merde, raté. Meurs. Meurs aussi, meurs aussi. Voilà. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Si, sachant qu'on est en mode difficile, ce qui est considéré comme encore facile pour le jeu. Normalement, il y a la difficulté brutale, qui est la difficulté pour laquelle Domekeeper a été prévu, comme disent les devs. Et où là, c'est quand même beaucoup plus difficile. Ça dépend pas mal des objets, là franchement j'ai eu de la chance sur les objets, le convertisseur et le téléporteur c'est quand même vraiment pas mal au début. On est sur une map grande aussi, donc il y a pas mal de choses à faire. Mais après, je suis assez d'accord, si on arrive à passer les vagues, alors il n'y a pas vraiment de nombre de vagues, je pense pas. Mais si on arrive à passer les premières vagues et qu'on a du bol sur les ressources, on trouve des ressources et tout, globalement après ça va. Un petit niveau de plus, voilà. Moi je les mets pas dans l'ascenseur, je suis obligé, je vais aller chercher mon téléporteur, il va terminer son taf. Il va avoir fini avec ce qu'on avait ici, voilà. Hop, comme ça je le prends, je le dépose là-bas. Et comme ça, il va travailler tout seul. Mais cela dit, je pense que c'est la première fois que c'est aussi long pour trouver une relique. Ça doit faire facile une heure et demie qu'on est dessus. Et j'ai toujours pas une seule piste de où est cette foutue relique, quoi. Alors, sachant qu'après, il y a encore un niveau de carte encore plus gros qui est énorme. Où là, du coup, ça doit prendre des plombes. Mais vraiment des plombes. Faut qu'on reparte. Raté. Tant pis pour l'arbre. C'est pas pour trois trucs qui vont nous changer notre vie maintenant. Est-ce qu'on en a ramené 14? Ok. Non, j'ai pas encore amélioré le TP pour remonter. En me disant que comme ça, à chaque fois que je remonte, je passe prendre l'arbre. Mais du coup, oui, je pourrais effectivement améliorer le TP, il serait peut-être temps. On va rater, on l'a eu, toi. Bon, c'était pas hyper optimal, mais... Donc on le tape. On le tape, là on est rechargé. Merde, putain. Ok. Ouais, si seulement il pouvait me dire tiens, au fait, pars par là. Ce serait fort pratique, je l'avoue. En plus, il commence à faire sombre ici, hein. Salut Zikino, bienvenue sur le live. C'est quoi cette seringue? C'est mon épée améliorée de qualité. J'essaye le dôme épée aujourd'hui. Et ça change bien le gameplay. Hein. Et là on est, je pense, enfin on n'est pas sur la fin du run parce que j'arrive pas à trouver la relique. Mais on est quand même bien avancé dans le run. Oui, je sais que j'ai laissé du fer travailler derrière, mais je sais qu'il est là. Ah, il va falloir qu'on fasse ça. Ok, y'a rien d'autre. Très différent. Très très différent dans le gameplay. Je sais pas si c'est mieux.
Une fois bien amélioré, c'est assez puissant. Mais mieux, j'utiliserai pas ce terme. En fait, du coup, il est très bizarre à distance, contrairement au laser où bah forcément tu tires à distance. Là, l'épée, elle a une garde qui à la base est assez petite et qui te permet de te protéger des projectiles, voire de les renvoyer. Du coup, tu dois les renvoyer sur les ennemis pour les détruire. C'est assez bizarre. Ouais, on est bas là, donc il va être temps de rentrer. Hop. Pourquoi j'utilise pas un peu l'ascenseur? Parce qu'en fait c'est tellement long, je l'ai pas du tout amélioré donc c'est tellement lent à aller tout en bas et à remonter que ça vaut pas vraiment le coup. Bah, à la limite quand j'en oublie un comme ça dans l'ascenseur ça le fait mais sinon... Bon après on partirait sur des trucs explosifs. On a un petit peu d'eau, est-ce qu'on pourrait pas améliorer justement un truc intéressant? On pourrait reprendre le téléporteur personnel. Ou améliorer le... On va améliorer le petit laser pour nous aider. Parce qu'en fait le problème d'utiliser l'ascenseur, Chobiti, c'est qu'il faut que j'amène les ressources là-bas. Ce qui prend beaucoup de temps. Alors que sinon je peux simplement me contenter de d'amener le téléporteur et du coup il fait le taf tout seul quoi. Parce que je suis pas pressé dans le ramassage de ressources. Quoique là ça commence à s'accumuler. Je suis surtout pressé de trouver la relique en vrai parce que là il y a... Enfin... J'ai bien confiance que le jeu va m'envoyer des vagues de plus en plus costauds jusqu'à ce que vraiment on en chie. Mais il n'y a plus vraiment de challenge en vrai, à part ça. J'ai quasiment toutes les améliorations. Donc tout le reste après, ça c'est du bonus quoi. Mais j'arrive pas à trouver ces foutues reliques. Je pourrais en mettre quelques-unes dans l'ascenseur, mais faut que je retourne jusqu'à l'ascenseur quoi. Bah non, parce que là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout pas retourner au téléporteur. En fait, j'ai tellement débloqué de trucs que j'ai plus d'urgence à ramener des ressources. Donc si le téléporteur va lentement, bah c'est pas grave. Ah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est une bonne info. Ok, en plus c'est par là-bas. Bah oui, c'est ça, Nardinus. On a tellement de ressources que voilà, je suis plus du tout pressé. Et ça sent effectivement la fin. Et on a enfin trouvé la relique, elle est sur un vieux coin. J'ai mon convertisseur en plus. Lui il mange. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre le bombe d'Esto. Dégâts de la bombe 30. Mais ça fait qu'on le réutilise plus lentement, donc non, clairement pas. Pour l'instant, il fait suffisamment de dégâts pour quasiment one-shot tout le monde. On pourrait prendre les dégâts du petit laser. Ça sert à rien. Bah si, après, ce qu'il faut faire, c'est comme dit Nardinus, améliorer la drill, comme ça elle minera plus vite. Donc on va faire ça, on va garder, on va économiser pour ça. Et en attendant, nous allons combattre.
Bim. On tape. Allez, c'est rechargé. On va se faire celui-là. Voilà. Bim, bim. Corps à corps. Un de moins. Et il est mort. Ok, donc là par contre on va pouvoir aller miner comme des gros sacs. Comme lui il a pas terminé, donc on le laisse là. Il y a un deuxième câble. Ah. Ok, ça j'ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé ça. Bon, je pense que on va tout laisser là. On va ramener le TP. C'est pareil, en vrai, j'aurais même pas besoin de m'en occuper normalement. Parce que franchement, on a tellement de ressources. Mais on a le petit pincement de se dire, ah, il y a des ressources quand même, faut les ramasser. Ah, on voit la... J'avais pas vu, là, il y a un petit trait qui descend là. Bon, on va descendre de toute façon. On va aller chercher le TP parce qu'il va nous servir pour revenir là vite. Donc on va laisser tomber les ressources de l'autre côté. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le temps qui me reste là pour les amener dans l'ascenseur pour le coup. Et on viendra là au prochain tour. Alors c'est parti. Toc. Même pas à toutes les déposer. Allez, faut monter là. Vers l'infini et au-delà. Ouf, juste à temps. Alors, on en a ramené 25, c'est pas assez. Il nous dit que c'est par ici qu'il y a un truc qui arrive, effectivement. Ok, on a tué un. Voilà, c'est parti. On défonce cela. C'est pas trop fort le son d'ailleurs pour vous, parce que c'est vrai que quand le machin il se fracasse au sol là, ça fait trembler toute la map. Ça fait quand même un petit peu de bruit. Hop. Ok, parfait. C'est cool. Alors du coup on va le laisser travailler, on va fouiller à côté. Donc du coup ça descend en ligne droite pour l'instant. Ah, on est au fond de map. Ok, là on a trouvé un truc. Ah, on a la relique. Parfait, va falloir trouver où sont ses copains maintenant. Sérieux, ils sont tous vers le haut là? Ah bah bordel, mais où est-ce qu'ils sont? Viens là toi. Non, faudrait que tu sois genre vraiment ici. Alors du coup, il y en a 4, ça a l'air d'aller par ici. Attends, avec les murs incassables.
une là. Et l'autre continue par là. Il y en a une là. On va l'activer et on va aller chercher les ressources qui nous restaient. Tu vois, ils sont très loin d'avoir tout ramené quoi. Le téléporteur va plus vite techniquement. Allez, on a le temps de passer chercher l'arbre. C'est là. Hop là. Bon, d'accord, hein, le fait qu'il fasse des voyages à vide, c'est tout aussi con, mais. Tout aussi inutile en tout cas. Là, on devrait avoir 30. Ouais, parfait. On va pouvoir améliorer un peu ça. On le laisse finir. Notre petite crâne, il fait sa vie là dans sa piscine. Oh, dommage. Le truc qui s'arrête juste au moment où le projectile arrive. Bien raté. Eh, on se détend là. Toi tu meurs. Et vous aussi. Ouh, il y en a pas mal qui me tape dessus au corps à corps. Donc je m'occupe de ça. Hop, un peu de dégâts. Ok, on va se faire un petit soin. On a 13 cobalt, la vache quoi. Ok, donc lui on le laisse dans le coin. Alors cela dit, où est-ce qu'il peut être le dernier? Ça c'est allumé, ça c'est allumé. Là c'est allumé. Par là? Non, il est beaucoup. Par ici. Vers un mur invisible quoi, invincible. Pas cool. Ah bah parfait. Donc là on les a tous. Oui, on les a tous. Ouais, c'est parti. Ah. Excusez-moi. Et ouais, téléphone. Très bien, bon, mon téléphone qui ne voulait pas raccrocher. Dans les appels spam, non seulement ils spam, mais en plus ils veulent pas raccrocher. Hop, 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 c'est parti. Allez, on y est! C'est la fin! Bon, on va remonter ça. Cadeau. Et voilà! Alors, il paraîtrait qu'on peut tenir cette vague finale. J'avoue que je suis assez curieux. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait prendre qui nous seraient utiles? Ça par exemple. Ça non, ça pas vraiment. Je crois que le seul truc éventuellement ce serait de pouvoir surcharger le bouclier. Ah merde. Il va falloir que j'y aille. Si ça sonne autant, c'est que ça doit être une astreinte. On va finir vite fait, tant pis, on va pas la faire, on va se laisser mourir vu qu'on a l'arlic. Donc dommage, hein, on aurait sans doute pu faire un petit peu de résistance, mais on va laisser crever. Voilà. Hop là. Et du coup, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être passé, d'être resté jusqu'au bout, d'avoir participé, ça fait bien plaisir. J'espère que ça vous a plu du coup. On va débloquer le mode prestige peut-être pour un futur live. Et du coup je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.